93, 19e, Benoît Drujon, le 20, Fabien Baquet, tous les trois de la même équipe, 21, Yannick Martinez, du Team La Femme Marseille, 22, Thomas Rostelan, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, c'est il y en a un paquet qui est en RTT là dans le public, donc on va voir dans un instant. Eh bien, les premières attaques, vraisemblablement, voilà les coureurs qui s'élancent. On a vu Benjamin Pasquale avec un départ. Voilà. Rejoint sur cette ligne d'arrivée. Nous retrouvons également donc Thomas Boulogne, le coureur du SCO de Dijon, qui au prochain tour classement par points et attaque en tête. On le voit actuellement avec Pierre Rolland qui est parti au prochain tour classement par points. Derrière, on a vu donc Lionel Ducamp et aussi Laurent Mangel qui ramène le peloton, mais on le voit actuellement donc le coureur Pierre Rolland, donc originaire du Loiret. Lui qui avait gagné aux trois provinces, il fait également vainqueur. L'homme aux 7 titres de champion de France de cyclocross, derrière le peloton reformé, emmené par les coureurs du SCO de Dijon, Amouré qui fait sa rentrée routière. Il a fait une petite coupure tout à fait logique après le remarquable Tour d'Italie qu'il a réalisé. C'est le meilleur qui ressemble à celui de Paris-Roubaix, à la différence qui est très bien. Aujourd'hui, avant de disputer dimanche prochain la manche de la Coupe de France, devant l'homme de Mandori et également lauréat, rappelons-le, de la Coupe de Marseille avec Benjamin Giraud, Rostelan en troisième position, Pierre Rolland, Arthur Michaud dans le peloton, un grand de l'équipe Europcar. On atteindra les 10 derniers tours. On a vu donc. Découvrir les coureurs qui sont ou qui vont disputer donc le sprint vraisemblablement et le champion de France. Et bien voilà, on va voir la formation. Voilà les deux hommes en bout de ligne droite là-bas avec deux hommes au coude à coude. Arthur Michaud, le champion de France qui se dégage. Pierre Rolland qui fait l'effort. Pierre Rolland qui essaie de revenir. Et non, Arthur Michaud. Pierre Rolland à la deuxième place. Jérôme Dino. Ah bah c'est jamais facile de s'imposer, en plus là on sort du tour donc on est un peu fatigué, on est un peu diesel comme on dit, en plus il y avait pas mal d'amateurs, ils sont fougueux. Bah c'est leur championnat hein. Voilà exactement, ils nous ont mené la dragée haute aujourd'hui et il n'y a que dans le final qu'on a réussi à sortir avec Pierre et Jérôme. Voilà, vous vous êtes bien sortis, il y a une belle bagarre, Jérôme Pinault était incisif, entreprenant. Hein. Ah, c'était le plus fort, je pense. Ah, ben, il va être content d'entendre ça. Déjà qu'il a eu le prix de l'élégance qui ne lui était pas arrivé depuis 6 ans. Donc, on va. On va appeler tous les champions et on va faire, évidemment, donc, une image de fin avec d'un côté, car il y a communion dans les critériums entre le public et les champions. Donc, voilà, tous ces champions, ils sont tous revenus. Laurent Mangel, il est où, Laurent? Ah, il arrive le dernier par le premier. Pépère, donc. Voilà, Jérôme Pinault, Pierre Rolland, Nasser Bouhanni, Arthur Michaud, Melvin Rullière et Steve Chenel.
de Saint-Maurien, qu'on les applaudisse globalement. Merci. Et c'est avec vos applaudissements que se termine cette nouvelle édition du Critérium de Dijon. Excellente soirée, bonnes vacances pour certains d'entre vous et bravo à tous nos champions. Quelque... Merci.